Dans la tradition africaine, le mariage commence dans la famille et on doit honorer la famille. Et nous avons le principe, le système de la dot. Alors nous, en tant que pasteurs, avant de bénir le mariage, il nous incombe de vérifier d'abord que la famille a été honorée et que la dot a été payée dans son entièreté et qu'il n'y a pas une seule dame jeune de Massanambi là qui est restée. Alors, j'aimerais demander à la personne qui représente la famille de Maman Florence Bandou de se lever. In our African tradition, we pay a dowry. So before we as a minister can bless a marriage, we have to make sure that the traditional requirements have been met. So I'm going to ask the person representing the bride's family to stand up, and I'm going to ask her if Mr. Adolphe, the groom, has met all the family requirements. Est-ce que la dot a été payée en son entièreté? Ok, thank you. Alors on applaudit tous ensemble très fort. Good, the family tradition has been, the requirement have been met, so now we can proceed and move forward. On behalf of the groom and the family, I'd like to once again thank you for being here to witness the union of my dear brother Ado and Florence. De la part de la famille, du marié et de la mariée, j'aimerais encore une fois de plus vous dire soyez les bienvenus. Nous vous accueillons et merci d'avoir répondu à l'appel ce soir pendant que nous allons bénir ce moment. Alors si nous pouvons tous ensemble incliner nos têtes, nous allons prier. We're going to bow our heads for a word of prayer. Père éternel, notre Dieu, maître des temps et de toutes circonstances, dans ton amour et ta bonté, tu as permis que nous puissions tous nous retrouver en ces lieux pour témoigner et célébrer l'union de notre frère Ado et notre sœur Flore. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau que tu en as fait une alliance sacrée par laquelle l'homme et la femme deviennent une même personne. Ainsi donc, Adolphe et Florence se tiennent aujourd'hui dans ta présence pour demander ta bénédiction. Daigne répandre ta grâce sur eux, qu'ils puissent grandir dans la foi et qu'ils puissent se rapprocher davantage de toi. Bénis cette cérémonie, nous avons prié. Amen. Ado, Florence, ou bien Flore, c'est pour moi un honneur d'être ici avec vous, témoigner et faciliter cette bénédiction. It's an honor for me, Ado and Florence, to be here as we celebrate what is about to transpire in just a few minutes. For those of you who do not know me, my name is Mwamba. I am a very good friend of Ado. Ado, to me, is an older brother. I know him since 1992. We were roommates in Dayton, Ohio for so many years. And now I'm getting to know Florence as well. Mon grand frère Ado et moi sommes des grands amis. Nous nous connaissons depuis 1992. Et on partageait l'appartement ensemble à Dayton, Ohio pendant plusieurs années. Et dans la préparation pour ce mariage, j'ai eu à rencontrer en privé Ado et Florence. Nous avons pu causer. Et j'ai remarqué qu'ils ont quelque chose de très spécial. Des fois, quand vous observez de loin, vous pouvez remarquer qu'il y a une flamme qui brûle entre Ado et Florence. Et ma prière est que, papa Ado, que cette flamme continue à brûler et que tu puisses continuer à mettre des charbons pour que ça brûle encore davantage. Ce serait une très bonne chose. Le mariage est béni des dieux et doit être honoré par tous. Et voilà pourquoi nous sommes tous ensemble venus pour honorer ce moment sacré que vous avez avec vous, avec nous tous ensemble pendant que nous allons célébrer. La parole de Dieu nous rappelle, il dit que l'homme doit aimer sa femme. Alors à vous, mon frère aîné Adam,
J'aimerais vous rappeler que Dieu vous a donné cette responsabilité devant Dieu et devant les hommes d'aimer cette très belle dame à côté de toi. L'amour est patient, l'amour tolère, l'amour pardonne. Et vous aurez à beaucoup pardonner dans votre relation avec votre femme. L'homme et la femme ne parlent pas le même langage. Nous avons des langages codés uniques que Dieu a créés. Et c'est sa façon à lui de nous donner cette responsabilité de continuer à travailler dessus dans notre relation entre homme et femme. So to my dear brother, the Lord has given you a mission, and your duty as a husband is to love your wife. Love forgives, love is patient, love is tolerant, love loves unconditionally, and that is important. So you need to learn how to speak your wife's language. Get to know her a little better, because that's going to be important. Men and women don't speak the same way. We don't express our emotions the same way. And that's going to be key to the success of your marriage. À toi, ma sœur Florence, que je commence à apprendre à aimer. La parole de Dieu nous dit que la femme soit soumise à son mari. La soumission ne voudrait pas dire qu'il doit marcher dessus tes projets, ta personnalité, ce que tu es. Mais ça veut tout simplement dire que vous allez avoir ensemble une même mission, une même vision dans la vie. Honore ton mari, en public, en privé, c'est très important. Il n'y a pas une chose aussi importante que le respect de la femme envers son mari dans le mariage. To you, my dear sister Florence, the Bible asks of you to respect your husband. And the other word is submission. Submission, meaning you have the same mission as you look forward sharing your life together. So it is really my honor to be here as you have chosen to make God priority in your marriage, in your life of husband and wife. C'est vraiment un honneur d'être avec vous parce que vous avez choisi de faire de Dieu votre priorité numéro un dans cette union. Alors, dans les mariages que je fais souvent, j'aime bien parler de l'histoire de l'amour de l'homme et de la femme. Alors, j'ai demandé à Adolphe, j'ai demandé à Ado, à Florence, de me raconter un tout petit peu de leur histoire. Alors, juste en bref, j'aimerais vous dire comment ces deux personnes se sont rencontrées. I'm going to tell you a little bit about these two beautiful people in front of me, how they met together and how their love story started. They met at a fundraiser, and Adolphe had his eyes set on Florence, and I don't think Florence knew what was going on, but Adolphe had an agenda. And ils se sont rencontrés pendant une campagne de fonds, et Adolphe avait ses yeux sur Florence. Et je ne crois pas que Florence s'était réalisé ce que Adolphe avait comme intention. Et c'est un processus qui a duré une année parce que Florence s'est demandé si cette histoire allait marcher. Elle était bien établie en Europe avec ses enfants et autres et tout ce qu'elle faisait de l'autre côté. Elle ne se voyait vraiment pas quitter tout cela et venir aux États-Unis et vivre ici à côté d'Adolphe. So she was a very well-established woman in France. She had kids and she had all the stuff that she was doing. She was set in her ways, so to speak. So she really couldn't see herself packing her bags and moving to the United States to live with Adolphe. So she made Adolphe wait for 1 year. Alors elle a fait attendre Adolphe pendant une année. Et pendant cette année, elle voulait bien s'assurer qu'Adolphe était vraiment sérieux. Et elle voulait bien s'assurer que c'était vraiment cela la volonté de Dieu. Alors Adolphe étant l'homme ténace qu'il était, il a changé de vitesse. Il est passé de 4e au 5e vitesse et match est passé. Wow. Voilà. So, long story short,
Adol had to shift gear. He went from fourth gear to fifth gear in his pursuit to have Florence. And finally, Florence said yes. And now she packed her bag and she moved to the United States to be his lovely wife. And we are honored to be here tonight to celebrate this great moment. Okay. Adol, je vais poser une question et ce sera la même question que je vais poser. Ok, Adol, je vais te poser la question et la réponse à cette question est oui, je le promets. Adol, avez-vous choisi de prendre Florence pour femme? Promettez-vous solennellement que vous ne connaissez aucun empêchement légal à votre mariage avec Florence? Promettez-vous de l'aimer et de la respecter? Promettez-vous d'être toujours honnête avec elle? Promettez-vous de rester à ses côtés, quel que soit le destin que l'avenir vous réserve. Oui, j'ai vu. Merci. So we're going through the consentment. He's expressing his promise to love her, to be with her, and to respect her and to honor her as well. Florence, je vais te poser la même question et la réponse à cette question, si tu es d'accord, et oui, je le promets. Florence, vous avez choisi de prendre Adol pour mari. Promettez-vous solennellement que vous ne connaissez aucun empêchement légal à votre mariage avec Adol. Promettez-vous de l'aimer et de le respecter. Promettez-vous d'être toujours honnête avec lui. Promettez-vous de rester à ses côtés, quel que soit le destin que l'avenir vous réserve. Alors maintenant, je vais demander aux mariés et à la mariée de se retourner et vous allez vous faire face et tenez-vous aux mains. I'm going to ask Adol and Florence to turn around, face each other. Regardez-vous face à face. Pardon, face à face. Ok. Et si vous pouvez vous tenir à la main, et si l'une des filles d'honneur peut nous aider avec la fleur de maman Florence, vous allez vous tenir à la main. Nous allons passer à l'échange de vœux. We're going to exchange vows. Adol and Florence have elected to do the generic vows. They're going to repeat after me. Adol et Florence ont choisi des échanges de vœux qu'ils vont répéter après moi. Adol et Florence, le moment est venu d'échanger vos vœux. Je me permets de vous rappeler que l'échange de vœux est certes une étape importante, mais que votre plus grand défi consiste à les mettre en pratique jour après jour. Vous devez renouveler votre promesse aujourd'hui, demain et tous les autres jours qui viendront. Adol, veuillez répéter après moi. Moi, Adol. Je m'engage à prendre Florence, je m'engage à prendre Florence comme légitime épouse. Pour le meilleur et le pire, devant Dieu et devant nos familles. Moi, Adol, je m'engage à prendre Florence comme légitime épouse
pour le meilleur et le pire, devant Dieu, devant nos familles et amis. Et amis. Je fais la promesse solennelle. Je fais la promesse solennelle. De t'aimer, de t'aimer, si vous pouvez la regarder, de te chérir, tu dis quoi? De te chérir, de te chérir, oui, et d'être fidèle, dans la richesse, comme dans la pauvreté, comme dans la pauvreté, dans la santé, comme dans la maladie, oui. Dans le bonheur, comme dans le malheur, comme dans le malheur, comme dans le malheur, oui. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ok, à maman Florence, nous allons répéter la même chose. Et vous répétez en regardant Ado dans les yeux. Moi, Florence. Moi, Florence. Je m'engage à prendre Ado. Je m'engage à prendre Ado. Comme légitime époux. Comme légitime époux. Pour le meilleur et le pire. Pour le meilleur et le pire. Devant Dieu, devant Dieu et devant nos familles et devant nos familles et amis. Et amis. Je fais la promesse solennelle. Je fais la promesse solennelle de t'aimer, de t'aimer, de te chérir, de chérir, d'être fidèle, d'être dans la richesse, dans la richesse, comme dans la pauvreté, comme dans la pauvreté, dans la santé, comme dans la maladie, comme dans la maladie, dans le bonheur, dans le bonheur, comme dans le malheur. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais viens aussi. Papy, arrête. Ok, si je peux avoir les alliances.